Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec le Seigneur? De pouvoir accomplir des choses pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Trois choses au moins sont nécessaires. J'en ai parlé dans d'autres messages. Je voudrais en parler de nouveau. Il faut apprendre à écouter Dieu. Il ne faut pas demander à Dieu de bénir nos idées, nos plans, nos ambitions, nos désirs. Il faut écouter Dieu afin de connaître ce que lui, il veut de chacun de nous. Nous devons choisir la voie de la sainteté. Soyez saints, car je suis saint, a dit le Seigneur. Avoir la sainteté et de la sanctification qui signifie séparation. Et l'humilité indispensable parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Actes chapitre 10, plusieurs choses me frappent dans cette histoire. Déjà, il s'agit de Pierre, de celui qui avait renié le Christ en blasphémant à cause de sa crainte. Mais c'était avant le jour de la Pentecôte. Il n'avait pas encore parlé miraculeusement en d'autres langues. À partir de ce jour-là, Pierre restait rempli du Saint-Esprit. Il cherchait à ce que le Saint-Esprit le guide. Et le Saint-Esprit le guidait de manière grandiose. Je lis à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » Et Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Parfois, on pense à Pierre comme s'il était quelqu'un de complètement inconverti avant d'avoir rencontré le Christ. Mais c'est loin d'être le cas. Les personnes que le Seigneur choisissait étaient prêtes à le suivre immédiatement, prêtes à tout abandonner pour accomplir sa volonté. Ils connaissaient déjà la loi de Moïse, tout l'Ancien Testament, et vivaient selon cela. C'était normal que Pierre réagisse comme cela, parce que dans la loi de Moïse, on ne devait pas manger de tout. Il y avait des interdictions. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Nous voyons à l'égard des aliments plusieurs changements dans la Bible. Au départ, Dieu demandait à ce que les croyants ne mangent pas de viande, ils mangeaient que des choses vertes et légumes. Au moment de la déluge, après plutôt, Dieu a dit à Noé qu'il pouvait manger de toutes les viandes qui existaient.
Mais au moment de Moïse, avec le peuple d'Israël dans le désert, Dieu a donné des lois pour qu'ils évitent certaines viandes. Et vous savez que le porc, si ce n'est pas bien cuit, si ce n'est pas bien préservé, enfin, vous pouvez tomber malade avec toutes sortes de maladies et mourir. Mais il y avait d'autres viandes mentionnées. Mais avec la venue de l'Évangile, et surtout parce que le Christ voulait que les Juifs chrétiens enseignent et annoncent l'Évangile aux païens, aux non-Juifs, qui ne connaissaient pas la loi de Moïse, il leur a dit de manger de tout, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle en présentant le côté spirituel des choses. C'est ce qui est arrivé ici pour que Pierre comprenne qu'il devait aller dans la maison de non-juifs. Vous savez que les juifs n'avaient même pas le droit d'entrer dans la maison d'un non-juif. Ils n'avaient absolument pas le droit de manger avec eux, de peur d'être souillés. Cela arrivait jusqu'à trois fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il a accepté d'y aller, il a prêché l'Évangile. Quand il est arrivé à ce que le Seigneur avait dit que l'Évangile serait prêché parmi toutes les nations, toutes les personnes dans la maison ont commencé à se réjouir, à louer Dieu. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Pierre et les autres étaient surpris de ce que Dieu leur avait donné, le Saint-Esprit, exactement comme à eux le jour de la Pentecôte. Et Pierre a compris qu'il pouvait être sauvé sans passer par tout le judaïsme. Et il a baptisé ces personnes. Et au chapitre 11, il a dû expliquer aux apôtres, aux autres à Jérusalem, pourquoi il avait fait. Et tous se sont réjouis de ce que Dieu avait choisi de sauver. Les croyants parmi toutes les nations, tous ceux qui croiraient uniquement en Jésus-Christ. Plusieurs choses sont frappantes dans cette histoire. Déjà dans un autre message, j'ai mentionné Ézéchiel. Dans Ézéchiel 33, Dieu lui avait dit, « Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Dieu désire, non pas que nous soyons toujours en train de préparer nos propres témoignages ou nos propres enseignements selon nos propres idées. Il veut que nous passions du temps en prière, que nous soyons remplis de l'Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne le message.
Vous remarquerez que Pierre avait une vie de prière. Il n'aurait jamais reçu cette vision, il ne serait jamais tombé en extase s'il n'avait pas eu l'habitude de prier. Et apparemment, il priait à certaines heures de chaque journée. Quand il y avait les miracles, dans Acte 3, Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais apparemment dans certains écrits datant du premier siècle, les apôtres avaient l'habitude de jeûner au moins 2 jours dans chaque semaine, comme les pharisiens le faisaient, au moins jusqu'à 15h30 en tout cas. Ils avaient une vie de prière. Et absolument tous les premiers chrétiens parlaient en langue, permettait au Saint-Esprit d'intercéder au travers d'eux en d'autres langues. Ils adoraient Dieu en d'autres langues, dans leur recueillement personnel. Et moi-même, je suis convaincu que le parler en langue est pour tous les chrétiens qui se repentent réellement et qui veulent faire la volonté de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit ainsi, la vie chrétienne change beaucoup. En tout cas, si on continue à prier en langue. Je sais que pour moi-même, c'était 6 années après ma conversion. J'étais un peu bloqué à l'égard du parler en langue. Je ne cherchais pas du tout. Parce que, sans doute, j'étais comme beaucoup le sont aujourd'hui. Ils se disent, mais enfin, je crois la Bible. Je sais parler, je sais témoigner. Pourquoi est-ce que je dois parler en langue? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et surtout, parce que trop souvent dans les églises, il y a des gens qui manifestent trop d'émotions, qui réagissent bizarrement parfois. Ça bloque des gens. Ça bloque des gens. Vous savez, je vous encourage. Paul l'a dit dans Corinthiens 14. Il faut que vous sachiez, il y a plein d'églises qui enseignent que le parler en langue n'est pas pour aujourd'hui. Et ils enseignent qu'il ne faut absolument pas parler en langue dans une réunion où toute l'église est ensemble pour que d'autres entendent, à moins que vous avez le don de l'interpréter. Moi, je vous encourage, ne priez pas à haute voix en d'autres langues. À moins qu'il s'agisse d'une réunion où tout le monde est informé à l'égard du parler en langue. Vous ne devriez même pas, même la personne à côté de vous ne devrait pas vous entendre. Il est possible quand même de prier en langue, en chuchotant, en parlant à soi-même, comme Paul l'a dit. Et très souvent, dans une réunion, je prie en langue, mais personne n'entend, à part Dieu. C'est important parce que le moment où quelqu'un qui a été enseigné un peu contre vient dans une église et quelques personnes à côté d'eux parlent en langue, ils se disent, mais ils ne suivent pas du tout la Bible. Donc tout est faux. C'est important de suivre exactement ce que la Bible dit. Paul a dit, je préfère parler 5 paroles dans ma langue maternelle que 10 000 en langue. Il a dit quand même, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous à Corinthe. Parce qu'il le faisait dans son recueillement personnel continuellement. Même en marchant au travail et tout, mais les gens ne l'entendaient pas. C'était entre lui et Dieu. C'est un détail, mais c'est important. Je suis convaincu que tous les chrétiens devraient parler en langue. Amen. Devraient louer Dieu en langue tous les jours. Parce que Paul a dit, dans Corinthiens 14,
Je veux que vous parliez tous en langue. Encore plus que vous prophétisiez. » Et il a expliqué que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Et combien nous avons besoin d'être édifiés. Ça signifie devenir fort. Quand on prie en langue, quand on s'édifie, on est rempli de l'amour du Christ, on est rempli de la force du Christ, de la sagesse du Christ. Et du courage. Pierre avait renié le Christ parce qu'il était rempli de crainte. Mais après, grâce au Saint-Esprit, il avait la force même de demander à ce qu'il le crucifie à l'envers, parce qu'il ne méritait pas d'être crucifié comme le Seigneur. Il était prêt à mourir. Et il a donné sa vie pour le bon nom de Jésus-Christ. Mais sommes-nous à l'écoute? Est-ce que nous avons été baptisés de l'Esprit? Tous. Est-ce que nous restons remplis de l'Esprit? Et quelque chose qui est encore plus important, quand il nous parle, est-ce qu'on obéit? Imaginons un instant que Pierre persistait dans son idée du judaïsme. Il a dit, enfin, vous avez sans doute imaginé cette histoire d'ange. La Bible nous dit, la Bible me dit, que je ne dois pas entrer dans la maison d'un non-juif. Que je ne dois pas manger avec eux. Non, il a compris. Dieu lui avait parlé, le Saint-Esprit lui avait parlé. Et il pensait à quelque chose de précis. Souvent, nous oublions cela. Si vous lisez certaines portions de la Bible, vous pouvez vous tromper. Vous savez, il faut vraiment lire attentivement, avec beaucoup de sagesse. Parce que si vous commencez avec l'Évangile, les Actes, etc., vous allez voir la progression de la doctrine. Parce que le Seigneur avait dit dans Jean 16 qu'il avait beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais qu'il ne pouvait pas les recevoir. Pas avant le jour de la Pentecôte, pas avant la venue du Saint-Esprit. Il leur a dit qu'il leur donnerait le reste de ses commandements par le Saint-Esprit. Donc, jusqu'au chapitre 10, ils ne comprenaient même pas que les non-juifs pouvaient être sauvés. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient que tout le monde devait devenir juif, suivre la loi de Moïse pour être sauvé, tout en croyant plus en Christ. Mais ce n'était pas le cas. On va au chapitre 15. Et là, il est en concile. De nouveau, le Saint-Esprit parle. Et plusieurs choses de la loi de Moïse sont enlevées. Comme déjà ici, la question des aliments. Parce que la Bible nous dit plus tard, c'est Paul dans 1 Timothée 4 qui dit que tout est sanctifié, tous les aliments sont sanctifiés par la prière et la parole de Dieu. Dieu avait dit ici que pour lui tout est pur. On peut manger de tout si on prie et que Dieu sanctifie. Mais c'était pour évangéliser, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'évangélisation. Sommes-nous à l'écoute? Si Dieu nous dit d'aller avec quelqu'un, d'aller parler à un voisin, est-ce que nous allons le faire? Ou est-ce que nous allons dire à Dieu,
Pas aujourd'hui. Peut-être demain. Peut-être dans une semaine. Mais entre-temps, la personne meurt. On rate complètement l'occasion. Parce qu'il faut faire comme le Saint-Esprit a dit, lève-toi, descends et parle avec eux sans hésiter. Et vous savez que dans Philippiens chapitre 2, au verset 12, la Bible dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure. Ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Je suis en train de parler à vous qui voulez vraiment être utilisés. Si Dieu nous parle, une, deux ou trois fois. Et on hésite. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu va continuer à vous parler? Il va choisir quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent à côté de la bénédiction parce qu'il y a trop d'hésitation, trop de timidité. Il faut chasser la timidité. Et le fait de prier beaucoup en langue, ça nous aide à chasser la timidité et la crainte. Mais nous devons écouter. Mais Dieu ne va pas nous parler. Il ne va pas se servir de nous si nous ne choisissons pas, si nous n'acceptons pas une vie de sainteté. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Évidemment, il est l'idée de d'éviter tout péché et tout le reste. Mais c'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Il y avait dans le temple les ustensiles pour le service. Personne n'avait le droit de toucher à ces choses ou de les utiliser pour autre chose. Pour que nous soyons saints, ça signifie qu'absolument tout ce qu'on fait dans la vie, en public comme en privé, doit être pour le Seigneur. Amen. Selon la parole du Seigneur. Si on travaille dans le monde, on travaille pour cette personne comme si on travaillait pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, avant d'être pasteur, et même pendant que j'étais pasteur, j'ai travaillé dans le monde. Parce que j'ai refusé un salaire de l'église où j'étais. Dans les deux églises où j'étais. Parce que l'église n'avait pas suffisamment de toutes les manières, et ça mettait un trop grand fardeau sur l'église. Donc j'ai travaillé dans le monde. Vous savez, quand vous travaillez dans les gens du monde, il faut vraiment prier continuellement pour savoir comment témoigner. Et si vous devez, comme le frère, comme Jean aussi, qui travaille, souvent on n'a pas tout le temps pour se préparer, même pour prêcher à l'église. Comment faire? Moi, j'avais toujours un petit cahier avec moi. Et tout au long de la journée, tout en travaillant, je travaillais de toutes mes forces, mais en même temps, je priais. Et Dieu me parlait
Et il me donnait des messages, je les écrivais très vite. Mais être saint, c'est que tout ce qu'on fait, peu importe où on est, on doit rester conscient qu'on le fait pour le Seigneur. Si on n'est pas en train de le faire pour le Seigneur, ou pour la gloire du Seigneur, on n'est pas saint. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Je l'ai mentionné l'autre soir, mais Belshazzar, je crois qu'il était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Il devient le roi. Il ordonne qu'on apporte les coupes qu'il avait amenées du temple. Il boit du vin avec ses amis. Il s'enivre. Il n'avait pas le droit de toucher à ces choses. Et pendant qu'il buvait, il voyait une main gigantesque. Il ne voyait que la main qui écrivait sur la muraille. C'était la condamnation. Sa condamnation. Parce qu'il avait touché à ces choses. Et le lendemain, selon la parole que Dieu a écrite, il a été tué. Dieu désire des vases d'honneur qui sont saints. Quand Paul a dit cela dans 1 Timothée 2, il a dit que ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de toute iniquité, de tout péché. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. J'en ai parlé avec quelques personnes ce matin. Et nous avons des églises à Paris et dans le monde entier qui deviennent énormes. Et on pense que ces églises doivent avoir vraiment la bénédiction du Seigneur. Et c'est le contraire. C'est le contraire. 2 Timothée 4 nous dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteraient plus la saine doctrine. Ils se donneraient une foule de docteurs, de faux docteurs, ne disant que des choses agréables. Je vous ai parlé des nouvelles traductions de la Bible. Ils enlèvent le mot repentance. Je viens d'apprendre qu'un nouveau mouvement qui prétend être un peu comme nous et qui séduit énormément de gens, en fait, leur philosophie, c'est de ne jamais parler de la repentance. Il ne faut pas utiliser le mot du tout. Et en fait, ils acceptent tout. Un des pasteurs était interviewé à la télé. Et la personne a posé la question, mais est-ce que vous acceptez les homosexuels? Il a dit, bien sûr, nous acceptons tout le monde. Nous voudrions qu'il y ait beaucoup de gens dans l'église homosexuelle. Et la femme du pasteur a dit tout de suite après, mais nous croyons que nous n'avons pas le droit de dire d'enseigner aux gens comment ils doivent vivre. Mais je me demande, où est-ce qu'ils ont trouvé une telle idée? C'est exactement ce qu'un enseignant chrétien doit faire, expliquer aux gens. Comment vivre selon la volonté de Dieu? J'ai appris que le même groupe avait deux hommes mariés dans leur chorale et avait des spectacles avec des danseurs professionnels qui
en général, enfin. Et au milieu, une femme qui chante, c'est une fête de Noël, mais avec des adultes. Elle est en mini-jupe, en train de danser avec eux aussi. Et ils la portent même sur leurs épaules. Là, dans le... Elle chante, c'était quoi? Silent Night en anglais. Douce nuit. Mais elle chante lentement, d'une manière sensuelle. Quand j'ai vu ça, ça m'a troublé, mais ce qui m'a surtout troublé, j'ai regardé un peu plus loin. En fait, ce n'était pas une femme, c'était un homme qui avait changé de sexe. Et voilà une église qui accepte tout cela et fait des spectacles avec de telles choses. Inimaginable. Mais c'est à Paris, c'est dans beaucoup de villes. Et toutes sortes d'églises acceptent. Vous savez, ne pas dire aux gens comment ils doivent vivre. Vous savez que les apôtres sont allés beaucoup plus loin que ça. Si vous lisez 1 Corinthiens 5, il y avait un problème dans cette église où un homme couchait avec sa belle-mère et venait à l'église comme s'il n'y avait aucun problème. Les gens de l'église le savaient, mais apparemment, ils ne voulaient rien dire, ils ne voulaient pas réagir. Même attitude, on accepte tout le monde, qu'il soit parmi nous, etc., etc. Paul écrit en Corinthiens 5 pour dire que spirituellement, par la prière, il est livré au diable pour la destruction de la chair, pour que leurs âmes soient sauvées. Et il a ordonné à l'Église de les mettre dehors parce qu'il n'y avait pas de repentance. Et ça a marché parce que dans sa deuxième lettre, l'homme, en tout cas, s'est repenti et voulait que l'Église l'accepte de nouveau au milieu d'elle. Mais Paul avait dit dans 2 Timothée, chapitre 4, et aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qu'avant le retour du Christ, la majorité des gens se disant chrétiens seraient dans cet état. Et en fait, non pas sur le chemin qui mène vers le ciel, mais sur le chemin qui mène à l'enfer. C'est terrible. C'est terrible. J'étais tellement choqué. Je savais qu'il y avait un problème avec ces certaines églises. Mais quand j'ai vu des vidéos, aïe. Et en fait, celui qui a fait la vidéo a mis une prédication de David Wilkerson en fond. Où en fait, il prophétisait et parlait de toutes ces choses. Il avait prédit toutes ces choses il y a des années. Dieu exige la sainteté, la sanctification. Il exige qu'on s'éloigne de la mondanité, qui selon 1 Jean chapitre 2 verset 15, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. J'ai oublié de vous dire, cette même église a un spectacle pour une conférence de femmes. Toutes sortes de personnes sont sur l'estrade, habillées comme Batman, comme toutes sortes de personnes de la télé. Et au milieu, celui qui chantait et jouait de la guitare, avec un chapeau de cowboy, annonçait le cowboy nu. Il n'avait que sa guitare pour cacher en bas. Mais expliquez-moi pourquoi une église qui prétend être un peu comme nous ferait une telle chose. Pour une conférence de femmes.
sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12. L'humilité est indispensable aussi. J'en ai parlé mardi soir. Jésus-Christ a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous devons demeurer en Christ. Sa parole doit demeurer en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons penser à lui continuellement. Nous devons penser à sa parole continuellement. Afin de pouvoir porter du fruit. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous délivrer du pouvoir du péché. Aussi. Il a dit dans Jean 8, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Mais juste avant, il avait parlé de sa parole qui libère. On doit demeurer dans cette parole. Cette parole doit être au fond de nos cœurs. Plus on médite sur la parole, plus nous serons libres et en sécurité. C'est le Seigneur qui donne le repos spirituel et la victoire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu résiste aux orgueilleux. Fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Pierre l'a dit au chapitre 5, dans Pierre 5. Jacques l'a dit au chapitre 4, quand il parlait du fait de ne pas être ami avec le monde. Comment s'humilier? Par le jeûne et la prière. David l'a dit dans un des psaumes. Il s'humiliait par le jeûne et la prière. C'est en cherchant à être modèle et ne pas vouloir dominer sur les autres. Ce n'est pas assez de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Il faut le faire soi-même en premier. Il faut accepter les conseils, les réprimandes des autres. Surtout, écouter, accepter les conseils et les réprimandes de Dieu. Et pour cela, il faut écouter. Il faut écouter. Comment est-ce qu'on s'humilie? En travaillant à son salut avec crainte et tremblement. Mais il n'y a plus de crainte ou de tremblement dans la plupart des églises. Les gens croient que Dieu ne va pas juger. J'ai oublié de vous dire, ce ne sont pas les mêmes églises, mais dans une église, ils avaient une compétition pour voir qui pourrait venir avec le plus de personnes dans l'église. Et le prix pour celui qui allait gagner était de recevoir un tatouage dans l'église. Oui. Un tatouage dans l'église. Vous savez, si on n'est pas sous la loi de Moïse d'une certaine manière, le Nouveau Testament nous dit que tout ce qui est arrivé aux Israélites a été écrit pour notre instruction, qui sont parvenus à la fin des siècles. Et il y a des choses à faire et à ne pas faire si on veut vraiment plaire à Dieu.
On ne veut pas être légaliste à l'extrême avec tout, mais le Saint-Esprit nous enseigne que si Dieu a demandé, a dit certaines choses, il y a des raisons. Il y a des raisons. Ce que les gens ne savent pas souvent avec les tatouages, il y a des gens qui sont complètement démoniaques, qui donnent les tatouages et qui mettent des choses qui donnent leurs âmes au diable. J'ai vu une personne délivrée de démons et c'était lié à ça. C'était lié à cela. Sans parler du fait que les tatouages, les scientifiques, les docteurs disent maintenant que toutes ces choses entrent dans le sang et ça va causer un problème de santé, tôt ou tard. Quand Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses, c'est souvent pour qu'on reste en bonne santé, sans parler des autres liens peut-être démoniaques. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Mais lisez. Matthieu 7. Le Seigneur a dit, entrez par la porte étroite. Je vais le lire et nous allons terminer avec cela. Matthieu 7. Matthieu 7 au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il parlait de quoi? Il parlait de gens qui voulaient être sauvés. Il parlait de gens qui croyaient en Dieu. Il parlait de gens qui se disaient sans doute chrétiens, mais qui ne voulait pas entrer par la porte étroite. Étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ensuite, il dit au verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si on n'a pas une relation réelle, comment est-ce que nous pouvons faire la volonté de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons même connaître la volonté de Dieu pour nous? Plusieurs me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » Il y a tellement de fausses prophéties dans le monde, c'est fou. C'est fou. C'est effrayant. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est troublant, n'est-ce pas? Comment ça se fait que des gens utilisaient le nom de Jésus sans connaître Jésus et sans être connus par Jésus? Le reste souligne le fait que nous devons mettre en pratique tous ces commandements. Sinon, notre maison spirituelle va s'écrouler. Va s'écrouler. Tout sera en vain. Tout sera en vain. Jean a dit dans 2 Jean 1, 9, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. Paul a dit que si quelqu'un enseigne, suit l'évangile,
d'une autre manière, et non pas selon la manière que je l'ai présentée, sa foi sera vaine. Il a même dit dans Galates 1 que la personne serait anathème, maudit, damné pour l'éternité. Et cela, même si un ange venait lui donner un message. Parce que aucun ange, aucun homme ne peut changer ce qui est écrit. Le Nouveau Testament, c'est cette parole qui sauvera ceux qui l'acceptent et la mettent en pratique. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés et les fronts courbés. Est-ce que vous voulez que Dieu sauve votre âme? Est-ce que vous voulez marcher vraiment dans la sainteté? Humblement, écoutant et mettant en pratique tout ce que le Seigneur a à vous dire. Voulez-vous vraiment être utilisé? Il faut que des choses extraordinaires se passent, qu'il y ait de vraies conversions. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas une pleine victoire. Et vous avez besoin de prière pour être libéré d'une habitude mauvaise. De quelque chose que vous voulez abandonner, mais vous avez du mal à le faire. Peut-être que vous avez du mal à pardonner. Peut-être que vous n'avez pas encore réparé certains torts du passé. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe. En élevant votre main et je prierai pour vous. Merci. Merci. Père Céleste, tu connais nos cœurs, nos vies. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous à marcher humblement avec toi. Aide-nous à tout faire sans hésitation, sans murmurer. Que nous puissions tout faire selon ta volonté, avec joie, avec enthousiasme. Seigneur, remplis toutes les personnes dans notre Église du Saint-Esprit, et que tous restent remplis du Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Je vous invite à vous lever. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, venez vers le devant.